Can you do me your signature? On peut aller jusque-là. Karl Lagerfeld has a very varied life. His greatest expertise is in drawing, fashion designs, of course, but also caricatures, technical drawings, and sketches that are torn up once finished. Vous savez, je suis amateur de poubelles. His other great expertise is storytelling, so telling his life story in drawings is only natural. The trouble is, it's hard to find the time when you're such a busy man. Time to remember important places, the people he's met, dresses, suits, seminal moments, and a whole lifetime, Karl Lagerfeld sketches his life. Silence, please! Can you draw your childhood home for me? Mais la maison d'enfance et la maison natale, c'est pas la même chose puisque je m'en souviens pas de ma maison natale. On l'a quittée quand j'étais très petit parce que c'était trop humide au bord de l'Elbe. Et mes parents ont acheté une propriété à 40 km d'Hambourg. Et c'est là que je passais mon enfance. Mais ça, je m'en souviens très bien. Ils me sont construits vers 1900. C'est un grand balcon, ça c'était ma chambre, ça c'était le dressing de mon père, ma mère habitait de l'autre côté, ça c'était la chambre de mes sœurs, voilà, et là il y avait une fenêtre qui était le salon de ma mère, et là il y avait une espèce de chose avec des pavés où les voitures montaient, là c'était des plates-plantes de fleurs, le toit était en tuiles rouges, et ici il y avait deux espèces de colonnes cassées avec des énormes arrangements de fleurs dessus. Et là, il y avait une immense pile de l'eau. Et là, il y avait des grilles. Et ça donnait vers les potagers et les restes comme ça. Et ici, il y avait un énorme sapin. Et mon premier souvenir, c'est des fleurs qui étaient sous ce... Moi, j'avais qu'une hâte, c'est de me tirer de là. Parce que j'avais pas du tout envie, mais déjà enfant, de rester au fin fond d'une campagne allemande. Can you draw your father? Mon père, à quelle époque? Bon, mon père, il portait toujours un chapeau. Il ne me ressemblait pas du tout. Et il était toujours, jusqu'à sa 90e année, il avait même jeune une canne. Et il portait que des costumes gris clair en fil à fil, ce que je déteste. Il s'appelait Christian Ludwig Otto. And your mother? Alors, elle avait les cheveux blancs, une qualité très très bien. Comme ça, coupé assez court, et toujours des boucles d'oreilles avec une perle longue comme ça. Elle était, jusqu'à sa mort, par sa propre faute, très mince, 36-38 chez Sonia Riquel, parce qu'à la fin de sa vie, elle n'aimait que des Sonia Riquel. Elle trouvait Chloé et tout ce que je faisais moche, elle trouvait bien que Sonia Riquel. Et le jour de ses 70 ans, elle a décidé de ne plus jamais mettre une robe, mais que des pantalons, que les jupes courtes allaient aux jeunes, c'était rayé les trucs de Sonia Riquel. Et que les jupes longues, ça faisait vieille mémé, donc avec plein de chaînes là. Voilà, ça c'était son allure. Mais j'ai vu des photos d'elle et tout, évidemment ce que je n'ai pas connu, 10 ans ou 15 ans avant ma naissance, avec les cheveux comme c'est, maquillée à mort, que vraiment il faut savoir ce que c'est elle, vous voyez. Et elle avait des cheveux, dans sa jeunesse, aigle de corbeau, ce qui faisait qu'elle avait des très beaux cheveux blancs, ce qui n'est pas mon cas, parce que les miens étaient genre Coca-Cola, que quand j'étais enfant, elle disait même que je ressemblais à une vieille commode d'acajou, et qu'elle voulait me teindre les cheveux parce qu'elle trouvait cette couleur absolument abominable. D'autant plus qu'il fallait lutter pour parler avec elle, parce qu'elle disait, toi tu as 6 ans, moi je ne les ai pas, alors fais un effort ou tais-toi. Et de toute façon, elle passait sa vie à dire, tu me ressembles, mais un peu moins bien. Là, j'ai entendu ça toute ma vie. What were you like as a kid? J'étais pourri, hein. Bon, je vous dis tout de suite, pas forcément par elle, mais par mon père et par les restes. Je portais des grands nœuds, comme elle basse les portes, un peu comme ça. Et j'adorais les tenues tyroliennes. J'en avais même pour le dimanche en daim noir brodé d'or.
Voilà, ça c'était le look de la semaine. Mais j'étais tellement dingue de vêtements que déjà à 4-5 ans, je voulais être habillé autrement le soir. Et j'avais une chose que j'adorais, c'était des chemises avec des cols comme ça un peu plats, qu'on boutonnait le pantalon sur ces chemises-là, en soie comme ça, avec des plis. Voilà. Et dès que je suis allé à l'école, et il y a une photo que quelqu'un m'a envoyée l'autre jour que moi je ne connaissais pas. Alors vous avez toute une flopée de garçons blondinés, coupés en brosse avec des taches de rousseur. Et au milieu, vous avez une personne avec des cheveux longs. Et ça, c'était quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, vu la date. Comme ça, un nœud papillon. Et, chose la plus étrange que je n'en souvenais même pas, une veste noire. Et un pantalon de flanelle grise. Je peux vous dire, au fin fond d'une campagne allemande, ça ressemblait parce que les autres, la tenue moyenne, c'était petite chemisette, pull tricoté par maman, et short froissé, voilà, et ça dans un bête de Vichy fané. Voilà comment étaient habillés les autres. Mais je voulais faire différent. Je n'avais qu'un désir dans la vie, et je n'ai pas tellement changé d'idée, c'est de différent de tout le monde. J'ai aucune envie de normalité que mes propres normes. Mon grand problème, c'est que j'étais ravi, enchanté quand j'étais enfant avec moi-même. Maintenant, je suis modeste et effacé. Enfin, j'avais une tête comme ça. D'ailleurs, je n'ai jamais été presque à l'école non plus. Parce qu'à la campagne, la concurrence n'était pas rude. Moi, quand j'allais dans la première classe de l'école publique, je pouvais lire, écrire et tout. Parce que moi, je voulais faire adulte. Je voulais surtout pas être enfant. Mon désir enfant, c'était de ne pas être un enfant. Aujourd'hui, il y a tout un trip sur le paradis de l'enfant. Je trouvais ça humiliant d'être un enfant. Je trouvais ça horrible. Être humain de seconde catégorie. Can you draw your first concierge in Paris? C'était pas une concierge, c'était la dame qui tenait l'hôtel, Madame Zapouzek. Alors, elle avait vu vers 1930, ce qui à l'époque n'était pas si loin que ça, Lucienne Boyer qui avait apparemment une coiffure comme ça partagée. Tout ça, c'était poivre et sel, elle l'avait attachée derrière. Bon, elle était plutôt un peu moustachue, comme ça, et elle était énorme. En noir. Ça prend un peu de temps. Hein. Je pourrais être rapide, mais il y a des limites. Hein. Can you draw the outline for the Concours de la Laine in Paris? Ah oui, ça, oui. J'ai envoyé des dessins, et puis 6 mois après, je reçois un télégramme, parce qu'à l'époque, il y avait des télégrammes, pour me dire, vous avez gagné les premiers prix dans la catégorie manteau. Veuillez passer au bureau au secrétaire de la laine pour les vérifications d'usage, parce qu'on était obligé de refaire des dessins devant un huissier pour dire que c'était bien nous qui avons fait ce dessin. Sinon, on pouvait envoyer un dessin par un professionnel et en disant que c'est vous. Ah non, non, non. Voilà, c'était un manteau en laine jaune, décolleté dans le dos. Donc une patte était prise dans la manche, ça se boutonnait devant, et il y avait un grand décolleté pour un manteau dans une grosse laine. C'était assez excentrique pour l'époque. Ça devait être plus original que d'autres. Can you draw Karl Lagerfeld that morning? J'avais des cheveux relativement longs, mais pleins de brillantines cadorissants pour que ça... Tiens, ah oui, c'était intenable, voilà. Donc les sourcils. À l'époque, je ne portais pas de lunettes. Hein. À la première boutique de Cardin, je m'étais acheté une cravate de velours aubergine. Ce qui était une chose absolument excentrique, hein, parce qu'à l'époque, rien n'était excentrique. C'était sinistre, les vêtements d'homme. Hein. Et j'avais un costume en flanelle grise. Comme ça, avec les pantalons, comme étaient les pantalons horribles de l'époque. Mais voilà, c'était ça le look. Yves de cette époque-là, c'est pas du tout la même personne que Pierre Berger en a fait après. Hein. C'était les garçons les plus rigolos, les plus amusants, les plus drôles, je suis insensé qu'il soit. Hein. Il était génial. Et lui, il portait des lunettes. Donc il avait les nez très pointus, comme ça, avec des petits yeux, des cheveux assez plats, comme ça, pas du tout comme, hein, comme ça.
avec le même genre de costard, mais il était maigre, 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 maigre. C'était ça. Voilà. Vous voyez le duo. Hein? Et lui, son modèle était exécuté par Givenchy, mais il s'est pas entendu avec Givenchy, ce que je comprends très bien. Et c'est après, seulement 6 mois après, qu'il est rentré chez Dior. Tandis que moi, mon modèle était exécuté par Balmain, qui faisait partie du jury. Quand je suis allé chez les essayages, il m'a demandé si je voulais pas travailler dans son studio. Bon, j'aurais préféré peut-être autre chose, mais j'ai commencé à travailler. Et le premier jour, je me souviens, il pleuvait, il n'y avait pas de taxi. Et là, je trouvais ça un peu triste. Mais alors j'arrive là-bas, c'était assez sinistre. On m'a donné un bureau où il y avait déjà 4 personnes qui dessinaient. Parce qu'à l'époque, il fallait, comme on dit, relever les modèles. Ça veut dire dessiner tous les modèles, broderie, chaque fleur et chaque machin, pour les clients, parce que les photocopies n'étaient pas bonnes. C'est pour ça que je sais si bien dessiner les vêtements et tout, parce que vraiment, il fallait qu'on reconnaisse les vêtements, qu'on voit chaque couture, j'en vois chaque détail. C'est une discipline incroyable qu'aujourd'hui, avec les computers et tout ça, les jeunes gens n'apprennent plus à faire ça. C'est chiant à mort, hein, parce qu'il fallait faire des albums. Il y avait 4 personnes là-dedans. Et moi, j'étais le seul quand même à qui on avait demandé de faire la collection, qui s'appelait Florilège. C'est la collection... de la boutique. C'était déjà ça. Pour un gamin qui débarque, je trouvais ça pas si mal. Bon, c'est des vêtements un peu jolis, madame, un peu moins chers. Hein. Donc, ça, vous savez, la mode de l'époque, hein, c'était typique pour l'époque. Hein. C'était toujours la taille serrée, hein. Comme ça, des petits Spencer. Moi, qu'est-ce qu'on dirait, ça existe encore. Hein. Avec des jupes un peu comme ça. Vous voyez, c'était des choses assez simples, mais pas mal. Quand je suis rentré là-dedans, je me suis dit, bon, ces jeunes gens ici, c'est bien gentil, mais il y en a qui n'étaient pas si jeunes que ça. Moi, je veux être chef du bureau de dessin. 6 mois après, ils étaient tous virés et j'étais en tête. J'ai trouvé une très bonne méthode pour faire ça. Je faisais le travail de tout le monde, qu'eux pouvaient partir. Et après, ils ont aperçu que moi, j'étais le seul qui travaillait, eux ne foutaient rien. Can you draw Monsieur Balmain? I don't know what he looked like. Mais Monsieur Balmain, à l'époque, il était relativement jeune, mais moi, il me paraissait sans âge. Hein. Il n'avait pas beaucoup de cheveux, une petite moustache, assez classique, très classique, assez rond. Comme ça. Très snob. Can you draw what you considered a good night out back then? Mais les soirées de l'époque, c'était dans les boîtes de nuit, du côté les balles et tout ça, moi je connaissais personne. Donc c'était les boîtes de nuit. Oui, les boîtes de nuit, c'est l'éléphant blanc où il y avait un orchestre qui tournait, un orchestre genre jazz pendant 30 minutes et après un sud-américain, parce que moi j'étais spécialisé dans le sud-américain. Et alors, donc les messieurs étaient forcément habillés. Je vous laisse une sable de dos pour une raison très précise, parce que... Donc le monsieur tenait la dame comme ça, vous voyez, qui dansait comme ça. Et comme chez Balmain, j'en avais un peu ras le bol. Hein, et tout, c'était même pas une question d'argent. Mais franchement, j'avais pas envie, j'avais plus envie. J'avais assez vu la tête de son assistant et bon, ça suffisait comme ça. Hein. Alors, j'ai accepté la proposition de Jean Patou. Et c'est là, au fait, que j'ai vraiment appris les métiers, parce qu'il y avait encore des premières et des gens qui avaient travaillé dans les années 20 et 30, qui connaissaient les tissus et tout, parce qu'à l'époque, la retraite, c'était pas 60 ans. Hein. Il y avait des premières de 75 ans, mais qui étaient mieux que les jeunes. Hein. Can you draw one of your first workshops? Oui, la star, c'était du temps de Patou, elle s'appelait Alphonsine, elle avait des cheveux gris comme ça, très, très, très hirsutes, comme ça, très, comme si elle se coiffait jamais avec comme ça. Et elle portait toujours des pulls gris, j'ai jamais vu dans autre chose. Elle était... forte sans être grosse, hein, comme ça, avec un nez assez comme ça, et toujours la pochette ici avec les épingles, et une jupe de flanelle grise, c'était assez classique. Mais ce qui était amusant, c'est son langage. Vous savez, il y avait un langage dans la couture qui n'était pas toujours très châtié. Par exemple, si une robe tombait bien, elle dit « Ah, c'est bien, ça tombe comme une mère du sixième ». Ça, c'était le langage couture. Ah, c'était pas le Gotha, hein. Mais c'était amusant, c'était très amusant. Ils avaient gardé des échantillons de tout. Donc, j'ai pu étudier ça. Et comme on n'avait pas grand-chose à faire, on faisait 2 collections de 60 modèles par an. Vous voyez ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais 3 fois plus dans un mois. Hein. Donc, au fait, je me suis emmerdé un peu
Mais j'ai quand même beaucoup appris, parce que j'avais rien appris. J'ai pas même la technique, ça a commencé toujours à toute l'Europe, ça a commencé. On faisait un bustier et un jupon de tulle, et après, vas-y, je garnis. Hein. Tandis que là, j'ai appris comment on fait et tout, et tout, et tout. Au fait, ces femmes m'ont beaucoup appris. Hein. Can you draw what you did at Jean Patou? Ben, chez Jean Patou, j'ai fait la même chose qu'aujourd'hui. Ça veut dire, j'ai dessiné la collection, je voyais les collections de tissus, je voyais les brodeurs, et je me souviens de la collection de l'été 59-60, là, ou non 59, on a eu un succès fou, et là je me souviens, j'ai fait une robe ça, qui était partout dans les vogues américains et tout, mais la presse n'avait pas la même importance, elle était très différente, parce qu'il faut le remettre dans le contexte de l'époque. Hein. Un crêpe blanc avec des bandes bleu marine incrustées, voilà, c'est ça. Ça, pour l'époque, c'était une robe dépouillée. Parce que le reste était plus chichi. Ça, c'est 59, pas tout. Et dans la même collection, il y avait une ligne très silhouettée, mais qui avait des astuces de coupe. Moi, j'ai toujours adoré les chapeaux dont l'entrée des têtes est plus grande que ce qu'il faut vraiment. Et les épaules étaient relativement larges, qu'ils n'en faisaient pas à l'époque. Et ça, c'était comme un corset. Et là, ça se tenait comme ça. Mais l'Égypte était très tenue comme un tonneau. Là, il y avait un pli et les manches étaient trois quarts. Et ça, c'est une silhouette que j'aime encore aujourd'hui et que d'une façon ou d'une autre, je fais encore aujourd'hui. Après, je m'en souviens plus. Parce que vous savez, il ne faut pas oublier, je ne tiens pas d'archives. Hein. Je n'ai rien. Bon, les maisons, ah non, mais moi, je n'en ai pas. Je ne regarde jamais les archives. Hein. Ça ne m'intéresse pas. C'est bien de faire, mais ce n'est pas du tout intéressant d'avoir fait. Alors, la première chose... Pour faire contraste avec la fourrure sérieuse, j'ai dit, c'est pas possible, on va appeler ça fan fur, et j'ai fait ça, en 3 secondes, au bout d'une table, qui sont devenues les fameuses initiales Fendi. Mais c'est rigolo, je me vois en bout de table, les sœurs étaient là, et j'ai fait ça, et j'ai dit, voilà. Et c'est devenu du sigle de la maison. C'est marrant, non? D'ailleurs, à la vente, c'est la chose qui m'a rapporté le plus, puisque je l'avais déposé. Can you draw a Fendi fur from back then? What he did before you and what he did with you? Eh bien, les fourrures qu'on faisait avant, c'était comme ça. Hein? Vous savez, en Italie, à l'époque, le début de la réussite sociale, ça commençait par la fourrure. Même s'il faisait plus 15 et 20, la pelliccia prima. Hein? Bon. Ça, c'était la fourrure classique de l'époque. Hein? Donc, moi, je faisais ça dans tout à fait différent. J'ai fait des petits blousons en cuir, comme presque du style militaire, avec des parties en cuir et des parties en fourrure, sur des Bermudas en fourrure, et comme ça, avec des grandes bottes. Ça n'avait aucun rapport avec ça, vous voyez. Mais à l'époque, ça me paraît, d'ailleurs toute la mode, même les années, fin des années 60, ça me paraissait très léger et très naïf. Et c'était jamais un propos d'argent. Aujourd'hui, les gens parlent trop d'argent, de chiffres. J'ai jamais entendu parler d'augmentation, de chiffres, de machins, de parts de machins. C'était des sujets qui n'étaient pas mentionnés. Hein. J'ai l'impression que j'étais dans un truc d'enfant. What did you look like physically? Comment je m'habillais? Yes. Oh là, dans les années 60, j'y allais. Je me souviens une fois, à Rome, il y a eu un accident dans un taxi qui rentre dans une voiture qui rentre dans un scooter. Et j'étais le seul témoin parce que j'étais dans le taxi. Et quand il fallait à l'hôpital pour témoigner, parce que le pauvre garçon était mort. Évidemment, ça, dans la salle d'attente des urgences à l'hôpital romain, c'est parce que c'est le plus propre au monde à l'époque. J'avais un chapeau de feutre, de Cerutti sur la tête comme ça. Et, vous le croyez ou pas, une cape courte en renard. Et un costume avec une culotte à la française en tweed marron avec des bottes de vernis jusque-là, voyez. Mettez ça dans un hôpital public, aux urgences, où les familles viennent pleurer parce qu'on a dit que le père est mort, que la mère s'est fait écraser. Voyez un peu ça, avec 40 valises à côté. Hein, parce que j'ai toujours eu un excédent de bagages. Ça, je m'en souviendrai toujours parce que c'était tellement absurde que même moi, je me suis trouvé ridicule. J'ai... Already finished? Terminer le bloc. Le freelance était une chose qui commençait, donc je ne vais pas dire que j'ai inventé cette profession, mais disons que je l'ai fortement développée. J'ai commencé à faire Crizia, Mario Valentino, tout. Can you draw your first collection for Chloé? Oui, ça je peux. C'était des petites vestes comme des blousons.
ça avec un lien latin, qu'on portait sur les jupes qui étaient fendues et la blouse était au fait une robe. Voilà, c'était aussi simple que ça. Je me souviens un truc qui avait un succès fou, donc les filles étaient assez comme ça, et ça flottait sur un pan, et voilà, ça, voilà. Et il y avait des incrustations de dentelle géométriques partout, comme ça, et là aussi, comme ça, et c'était en crêpe de Chine beige, voilà, ce genre-là. Encrizia? Je me souviens d'une collection où toute l'Europe était comme découpées comme des énormes étoiles avec des couleurs très vives, comme ça. La jupe était une étoile et le corsage était une autre étoile. Oui, c'était très wild. Hein. Et tout était vert et blanc, très, très, très violent, comme ça. Et ça avait beaucoup choqué. Ça, c'est la chose la plus marquante. D'autres qui n'étaient pas si mal. Can you draw the place you lived in the 70s? C'est drôle, j'ai habité deux fois dans ma vie la même rue. J'ai habité rue de l'université au 35 et après pendant très longtemps au 51. Et celui du 35, j'aimais beaucoup ça, parce que c'était un appartement assez idéal. Mais on disait la maison hantée. Et tous les gens qui l'ont eu après moi, cet appartement, ont mal fini. Moi, j'ai passé 10 ans déchaîné là-dedans. Donc franchement, c'est là que j'ai commencé à faire la collection Art Déco, ce qui était une redécouverte. Il y avait très peu de gens qui faisaient ça à l'époque. Et je me souviens, mon salon principal où on rentrait, il y avait deux grandes fenêtres où j'avais mis des rideaux en tulle argent, mais comme du gros filet. Ici, il y avait un miroir en argent de roulement avec des glands, comme ça. Et là, devant l'immense table qui maintenant, je ne sais pas dans quel musée, c'est Mr. Chow qui l'avait acheté, du Dunant, en lac écaille, avec des, comme un mondrian dessus, comme ça, qui avait été fait pour je ne sais pas quel bateau, avec des fauteuils en lac noir de Prince, recouverts de velours rouge, un tapis rose, et les murs étaient laqués roses et les soubassements étaient laqués noirs. Là, il y avait un grand tableau abstrait. Un des rares tableaux qu'il avait fait était très joli, de François-Xavier Lalanne. Et là, il y avait une cheminée avec une grande glace où il y avait un lapin art déco des frères Martel. Voilà. Un Martel Brothers rabbit? Oui, qui était ravissant. Et que les gens trouvaient honteux d'avoir payé si cher à l'époque. On trouvait ça ridicule. Les deux flacons qui avaient le plus marché et qui étaient finalement les plus emblématiques, c'est moi qui l'avais fait. C'était le flacon Chloé, qui était comme ça, avec les bouchons, c'était des calalili en verre givré. Alors donc les parfums étaient assez colorés. La bouteille était comme ça. Donc en verre comme givré, on dirait que je parle de moi, mais bon, vous voyez, comme ça, c'était ça. Et le Lagerfeld classique pour Rome, il y avait un eau ici, ça c'était chromé, et la bouteille était comme ça. Elle était brillante là, donc ça c'était très vif, et là c'était aussi comme le bouchon de ça, en verre frost, je ne sais pas comment dire en français, hein. Et ça s'appelait Lagerfeld, comme ça c'était écrit comme ça, voilà, voilà. Et ça existe toujours, mais c'était un classique, c'était un des parfums les plus vendus du monde. Je m'étais fait les tricornes et avec les catogames, je m'étais fait les ailes, des ailes de pigeon là, une chemise qui monte, un jabot. Bon, voilà. Voilà. Les catogames derrière, que j'avais mis dans un sac de velours et une espèce de domino vénitien en taffetas brun bordé de dentelle or. Très, très très large, il y a même des jupons en dessous, parce que dans le tableau il était très large comme ça, avec des chaussettes blanches et des chaussures de vernis noir avec une grosse boucle très, très 18e comme ça. Je m'étais fait des lunettes comme ça, comme ils ont porté au 18e parce que j'étais quand même un peu myope, et à la main j'avais un énorme vénitien, éventail vénitien qui, comme une espèce de drapeau raide avec des broderies or dessus sur fond de velours rouge. Il y avait quand même, au cours de la soirée, 4500 personnes. Hein. Les gens faisaient des efforts surhumains, je veux dire. C'était... What was your look when you started at Chanel? Assez classique, assez ennuyeux. Je commençais à porter les lunettes noires.
C'était avant d'avoir eu la mauvaise idée de grossir un peu. Chanel, elle avait commis une bêtise. Elle voulait être une espèce d'oracle d'élégance. Elle a dit et disait au début des années 60 que les blue jeans c'était ignoble et la mini-jupe atroce. Or, c'était les deux éléments que la jeunesse de la terre entière voulait. Donc, elle s'est ringardisée avec ces deux mots définitivement. Quand on me l'a proposé, tout le monde m'a dit, ne prenez pas ça, c'est nul, c'est cuit. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la réanimation de marques les plus absurdes. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Il fallait des noms nouveaux, il y avait un autre monde à construire, j'en sais pas quoi. Et j'ai trouvé ça quand même assez fascinant, le personnage et tout, que quand on me l'a proposé une deuxième fois, j'ai accepté parce que tout le monde me disait, ne faites pas, ça ne marchera pas. Mais c'était la première fois où une marque dite ringarde est redevenue un truc de mode, apparemment, qui donne envie. Can you draw your first collection for Chanel? Mais vous savez, aujourd'hui, la robe que je vois dans les livres et tout qui apparaît, c'est Inès, qui à l'époque n'avait pas encore de contrat, avec une robe longue. Voilà. Alors, tous les bijoux Chanel étaient brodés dessus avec des perles et de l'or, comme ça. Voilà. Et Inès a quand même été le mannequin le plus extraordinaire français avec Bettina. Hein. Why? Parce qu'elle avait un truc que les autres n'avaient pas, une classe, une race, une élégance, une attitude. Elle pouvait être saoulante, mais voilà, ça c'est la robe qui avait marqué le plus au premier défilé Chanel, une robe de le sage. Voilà. What were the House of Chanel's codes? Ah, les codes de la maison Chanel, bon. Alors, Chanel, ils ont quand même une chance dans la vie, c'est qu'ils ont des trucs d'identification instantanée que peu de maisons ont. On commence disant les canotiers. Quelle portée, mais même pas cette forme basique. Bon. La boucle d'oreille Chanel, qui est une perle entourée de petites perles ou d'or, comme ça. Le camélia. Le nœud de satin noir, à mettre où on veut, dans les cheveux, dans, comme ça. Le fameux bijou Chanel, d'inspiration byzantine, moyenâgeuse, baroque, on ne sait pas très bien d'où ça vient, c'est elle qui a plus ou moins inventé ça. Voilà, ça c'est le typique. Les bracelets, comme ça, avec une grande croix de choses précieuses dessus, ou les initiales, qui vont toujours par deux. Voilà, les CAF, comme on appelle ça. Non? Après, il y a évidemment le fameux sac avec la chaîne. Donc la chaîne aussi, on l'a en ceinture, avec des trucs qui tombent là, les CC et d'autres amulettes, comme ça. Le fameux sac matelassé, comme on dit, que le monde nous envie, et que le monde nous copie d'ailleurs. Ce qui est très flatteur. Et puis, évidemment, l'idée de la veste Chanel, qui au fait n'était pas de moi, qui était assez claire. La ganse, les quatre poches. Le fameux bouton Chanel, où il y a des milliers de variantes avec les initiales. Évidemment, les initiales tout court. Et je trouve que ça fait déjà un bon lot de codes qu'on peut coller à tout. Hein. D'autant plus que vous avez un tissu, vous avez l'étui et tout. Il y a de quoi s'occuper. Can you do a technical drawing of the last Chanel collection, for example? Moi, j'aimais bien la robe qui a ouvert la collection sur la petite Cara Delevingne, qui d'ailleurs était une robe en jeans. Hein. Le problème, c'est qu'il faut donner un aspect nouveau à ces éléments-là. Tous les 6 mois. Et quand je dis tous les 6 mois, c'est plutôt tous les 3 mois. Mais ça, c'est mon métier. Et apparemment, j'y arrive pas trop mal depuis 30 ans. Donc, on voit tous les détails. J'aime bien le souligner de noir. You draw with makeup? Je dessine avec du maquillage. Ou Chanel ou Choué Mourant. C'est rapide, en réalité, ça prend un peu plus de temps. Là, c'est vis minimum. How did you do the Chanel two-piece? Si vous parlez de la petite veste noire, c'est un vêtement que je n'ai pas fait, qu'elle n'a pas fait, qu'elle a vu. C'est le liftier d'un hôtel près de Salzbourg.
Et là, elle passait des vacances dans cet hôtel. Et les liftiers avaient ce truc à quatre poches. Voilà. Au fait, la veste Chanel, c'est pas autre chose. Elle a eu le génie de s'en inspirer. Ça, c'est comme les jeans. On ne sait pas qui a fait les jeans. Hein. Au fait, c'est un truc de styliste, mais elle a donné sa touche, elle les a fait dans d'autres tissus, elle a raffiné la coupe. Mais au fait, c'est la tenue des liftiers de l'hôtel du Baron Pantz à Salzbourg. Ma première photo de mode professionnel, c'est encore Inès de la Fressange. Pour un dossier de presse Chanel, avec Inès, avec un profil très à la Garbeau, comme ça, sur un fond clair, avec une ombre projetée derrière, comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est ma première photo de mode professionnel pour Chanel. Et maintenant, il y a 25 ans que je fais les campagnes. Je ne fais pas ça pour gagner ma vie, c'est compris dans le prix. C'était la maison de ma mère, ce n'est pas la mienne. Je l'ai gardée 20 ans après sa mort, mais je ne suis jamais retourné. J'ai fait faire des travaux et tout, mais je ne suis jamais retourné. Moi, ce que j'aime, c'est faire les maisons, pas forcément pour l'habiter. Quelquefois, je n'ai pas de vie à mettre dedans. Ben, l'endroit était magique. Il y avait une allée de 2 km qui venait du village, déjà avec des arbres de chaque côté. Là, ça se verrait. On arrivait à une première grande grille avec des lions. Là, il y avait un bâtiment, et là, il y avait une autre grille, et là, il y avait une chapelle. Là, il y avait des haies. Là, vous allez dans un immense bâtiment où j'avais fait une bibliothèque avec André Putman. Vous avez un bassin avec des rinceaux de chaque côté. Ici était le château, le fronton, quatre fenêtres. Fenêtre avec balcon, la porte, fenêtre. Vous voyez, avec un perron. Il y avait d'autres plates-bandes dans le coin, très, très, très classique à la française. Là, il y avait des vases avec des fleurs. Un immense jardin à la française où il y avait des arbres de camélia qui avaient 200 ans et qui fleurissaient en mars, qui étaient assez extraordinaires. Voilà, donc, un peu comme le décor que j'avais fait au Grand Palais, il y avait une rondelle au milieu, un portail, il y avait la forêt qui commençait, un bal foulalier, un fleuve, un énorme bassin, Pâques, une grande statue d'Hercule comme ça là. Vous voyez, et là aussi, il y avait encore plein de plantations en rinceaux, en buis autour. Et le buis, finalement, c'est une odeur que j'adore. Voilà, là, il y avait un pigeonnier. Il y avait un énorme bassin, une fontaine ancienne, le plus beau, le plus vieux labyrinthe de Bretagne qui était là depuis le 18e. Là, il y avait une espèce de grande pelouse avec aussi des trucs encore. Et là, il y avait des murs et la route qui n'est pas une route publique, une route où personne ne passait. C'était divin, mais après la mort de ma mère, j'avais plus envie d'y aller. Did you have famous guests at Grandchamp? Même la reine mère d'Angleterre, alors. Et j'oublierai jamais quand elle descend de la voiture, on avait soigné le décor, je peux vous dire, hein. On a eu une fortune en fleurs et tout. Et elle dit en anglais, oh, it's like walking in a painting, it's Marly. Parce que Marly, ça, le château n'existait plus, mais c'était un truc très fleuri comme ça. Et ça, j'oublierai jamais. Hein. There were times you still carried a fan. Les batailles, ça avait plus d'avantages. Hein. Ça cache le bas du visage pour une mauvaise photo, surtout quand on a un peu grossi. Et à l'époque, les gens fumaient. Et si on ne fume pas et on ne boit pas comme moi, donc toujours à côté de la plaque des autres, puisque je n'ai jamais bu de ma vie, je n'ai jamais fumé de ma vie, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie. Mais moi, j'aime bien les gens péter. Moi, les gens comme moi, ça m'ennuie à mourir. Hein. C'est assommant, c'est pas possible. Hein. Moi, j'ai toujours admiré les gens qui ont une espèce de talent d'autodestruction qui, moi, m'est absolument refusé. Hein. Bon. Le leadership Schiffer, ben, c'était une des choses qui, alors là, ça avait fait scandale. Je me souviens. Donc, oui, elle avait les cheveux comme ça, très ouverts, très blondes, le contraire de la fille Chanel, même si on lui mettait un nœud noir, là, comme ça. Elle avait une veste très petite Chanel. Mais avec un soutien-gorge dans le même tweed, des chaînes Chanel ici. Voilà. Et un slip genre petit bateau, là. Avec Chanel écrit sur la braguette. Des boutons d'or, des chaînes d'or, 10 fois plus grands. Tout était exagéré.
Mais c'était indispensable à l'époque, sinon on avait toujours le côté tuit de maison dans l'esprit des gens. Il fallait frapper fort pour que les gens comprennent. Hein. Voilà. C'est pas exactement le concept de Mademoiselle Chanel. Mais c'est le concept pour sa survie. Can you draw your look in the year 2000? Avant ou après le régime? Can you do before and after? Je préfère pas, j'ai oublié. Hein? After then. Je m'étais un peu désintéressé de ma personne parce que je trouvais qu'il n'y avait pas une mode très excitante. Donc, ça n'avait pas grande importance. Et puis quand j'ai vu la collection des Heidi, je me suis dit, tiens, c'est pour la peine de s'habiller de nouveau. Donc, il faut dégraisser tout ça. What's the Hedy Slimane line then? Donc, au fait. Mais moi, j'ai rajouté les cols hauts parce que c'était. Mon parrain portait ça, donc c'est des épaules assez étroites. Et à l'époque, les vestes étaient plus longues, noires, étroites. Voilà, les premiers de Hedy, et les pantalons étaient assez larges encore. Et avec les manches très droites, ça, c'est une veste de lui encore, c'est pas une veste d'aujourd'hui. Ça, voilà. Au fait, ça, c'était moi dans les premiers costumes Slimane. L'essentiel dans la vie, c'est se réinventer. D'ailleurs, c'est assez drôle d'avoir inventé, sans vouloir faire exprès, un look qui se prête si bien aux caricatures que... Vous voyez, ça, j'ai acheté en commerce, hein, j'ai pas fait cette mesure. Hein. Je trouve ça assez fascinant et presque incompréhensible. Can you draw the bear? Ah oui, le teddy. Moi, tout ce que j'ai fait, j'en sais rien, j'en ai fait plein. Il y en a qui étaient parce que c'était intéressant à tous les points de vue, financièrement compris. D'autres, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. J'ai fait les verres pour Orifond parce que j'avais envie d'un verre avec une soucoupe. Parce que je sais pas pourquoi, n'importe quelle tasse minable, elle a une soucoupe. Un verre qui, quand il y a la condensation et tout, fait les pires tâches, n'en a pas. Et Coca-Cola, c'était facile puisque j'en suis consommateur. Voilà, c'était ça. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? I'd like to see three of your current muses for three of your brands. Ah, d'accord. Oh, je suis un produit de marque. Bon. Mais les filles avec qui je travaillais le plus, et je travaille le plus pour le moment, c'est pas mal de temps, parce que moi, j'ai pas du tout changé toutes les saisons. Pour Chanel, c'est quand même la fameuse Freya. La petite veste noire de Chanel, c'est parfait pour elle. Par exemple, dans la vie, elle la porte avec des petits shorts en cuir noir, parce qu'elle a des jambes interminables. Elle aussi, elle est d'une minceur extrême, mais c'est pas une pauvre fille anorexique, ça. On ne les voit pas, moi j'en connais pas, j'en ai jamais vu. Ça n'existe que dans les journaux qui veulent défendre des grosses qui feraient mieux de maigrir, parce que c'est pas bon pour la santé, hein. Et il y a beaucoup plus de grosses que d'anorexiques, il n'y a même pas 1% d'anorexiques et 25% de filles, entre 15 et 25 qui sont en surpoids. Alors où est le problème? Alors Paul Lagerfeld, j'adore Saskia, c'est une Hollandaise plus que bien élevée, avec un air garçon manqué tout en étant très féminin. Elle est vraiment très très particulière et elle ressemble à aucune autre. Car le plus important pour ces filles, c'est qu'on reconnaisse leur visage. À la seconde, on sait qui c'est. Mais c'est ça la vraie injustice du métier. Il y a beaucoup de filles, bon, qui sont très mignons et tout ce que vous voulez, mais malheureusement, elles ressemblent à beaucoup d'autres filles. Et alors, Ania Rubik, parce qu'elle est polonaise, c'est la polonaise la plus célèbre de son pays. Elle a des pommettes très hautes comme ça, un cou interminable, et elle a un dos insensé, avec les plus belles jambes qu'on puisse avoir, interminable tout ça, mincissime. Et elle est surtout bien dans des robes très, très, très décotées. Et je fais plein de campagnes Fendi sur elle. Et en plus, c'est bien parce que la collection Fendi, c'est un style qui ne se veut pas très sexy parce qu'il y a tellement de marques qui veulent faire super sexy red carpet en Italie que j'ai envie que Fendi fasse un peu autre chose. Et c'est ça. Voilà les trois grands. Je peux mettre un peu de couleur. Voilà les trois muses et les trois filles avec qui je préfère travailler pour le moment. Mais on est toujours resté amis avec des filles comme Linda Evangelista ou Claudia Schiffer. C'est pas parce qu'on ne travaille plus avec elles qu'elles vont à la poubelle. Ça, c'est ignoble. Ça, c'est des gens qui croient ça. Ils se mettent ailleurs comme ça. Mais nous, c'est pas comme ça. Voilà. C'est correct.
You forged a very close relationship with a male model. Comme avec Baptiste, c'est comme, moi j'ai pas d'enfants, c'est comme si c'était des fils. C'est comme ça que je les voyais, moi j'ai pas envie d'avoir des fils moches. Et ce qui est rigolo, mais là, bras de père de deux enfants, et je suis le parrain de ses enfants. Alors le père, c'est l'américain type, il était capitaine d'équipe de football. Et dans la vie, il s'habille très, comme tous ces gens, en jeans et comme ça. Et le petit Hudson, lui, par contre, il est très obsédé par le vêtement. Il se change 4 fois le matin avant d'aller à l'école. Et il a même des petites vestes Chanel ou des petites tenues Ralph Lauren. Il a 4 ans. À l'école, il dit aux enfants, j'ai rien à voir avec vous. I'm a supermodel. Parce qu'il a fait 2 fois les défilés Chanel. Et il aime bien être habillé en noir. Ce qui est amusant qu'un enfant aime être habillé en noir. Hein. Et il veut même porter des pantalons longs parce qu'il trouve que c'est plus chic. Parce que Carl s'habille comme ça aussi, vous voyez. Et c'est la coquetterie fait enfant. Ce qui est le plus étonnant avec elle, c'est qu'elle a des yeux de cette couleur-là. Elle a des yeux de céladon bleu, de bijoux de Suzanne Belperron. Et là, c'est très dessiné comme ça. Beau profil. Légèrement une teinte comme ça, comme dans l'omelette norvégien, un tout petit peu. Et le petit museau, comme ça, il est un peu noir, comme ça. Voilà, ça c'est la tête de Choupette. Ce qui est étonnant, c'est ça. Et tous les gens sont fous. Parce qu'elle est irrésistible. Quand on appelle son nom, elle écoute et tout, mais elle est pourrie, que je vous dis pas. Pourrie, mais à un degré honteux. Et elle déteste être seule, donc j'aime presque plus voyager. Et on tient un journal. Quand je ne suis pas là, les gens qui s'occupent d'elle doivent tout marquer, l'heure du popo, du pipi, de ce qu'elle a mangé, ce qu'elle n'a pas mangé, combien elle a mangé, et tout, et tout. Je l'ai dit depuis 7 mois, elle a 9 mois maintenant, ou presque 10. Et il y a déjà 4 volumes avec toutes les annotations, les détails de ce qu'elle avait. Je trouve ça très amusant. Hein. Et des millions de photos. Donc un jour, je ferai un livre, le journal des Choupettes, après tout. Je ne suis pas Colette, mais on peut écrire un livre sur un chat. Et voilà. Can you draw the place you'd like to be buried? Un quoi? Can you draw the place you'd like to be buried? Ah, mais quelle horreur! Ah non, ça. Brûler, jeter, fini. Ah non, quelle horreur. Ça, c'est des trucs... J'ai horreur de ça. J'ai horreur de l'idée d'encombrer les gens avec les restes. Ah non, quelle horreur. Non, non. À un moment donné, il faut décamper. Hein. Moi, je suis très contre la mémoire, les machins comme ça. Il faut disparaître. Moi, j'admire les animaux de la forêt vierge, on ne les retrouve pas quand ils sont morts. Ah non, mais quelle horreur, je ne voulais pas être vu mort. Je déteste les enterrements, j'aime déjà pas y aller. Donc, je ne voulais pas exposer qui que ce soit à un truc aussi horrible. Ah non, 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 non. Quand c'est fini, c'est fini. Hein. Comme disait Croce Shelley qui a dit, se réveiller du rêve de la vie. Et basta. Ah non, on ne peut pas en faire un problème. Thank you very much. Voilà.